Bonsoir à toutes et à tous, je suis ravi de vous retrouver pour un nouveau numéro du journal de Cap 48. Depuis de nombreuses années, Cap 48 s'associe au monde des entreprises, notamment avec le prix Cap 48 de l'entreprise citoyenne. Regardez. Depuis maintenant 10 ans, l'opération de solidarité de la RTBF organise le prix Cap 48 de l'entreprise citoyenne. Ce prix récompense les initiatives des entreprises en faveur de l'intégration des personnes handicapées dans les domaines de l'emploi et de l'accessibilité. En 2014, le jury réunissant des personnalités du monde des entreprises a analysé les nombreux dossiers. La ville de Liège a fait l'unanimité. Elle emploie plus de 150 personnes handicapées. La 10e édition est lancée. Si vous souhaitez faire partie des lauréats 2015, rendez-vous sur cap48.be. Des entreprises ont également souhaité soutenir Cap 48 en rejoignant le réseau des entreprises solidaires. En faisant un don, elles marquent leur soutien à Cap 48. Grâce à cette solidarité, Cap 48 finance chaque année une centaine d'associations. Voici un exemple. La Fondation Docteur Portrait a pour objectif l'aide aux personnes handicapées mentales et à leurs familles. Elle favorise l'autonomie, notamment en proposant des lieux d'habitation adaptés au bien-être des personnes à besoins spécifiques et de s'associer à des structures existantes. Le financement de Cap 48 a permis l'aménagement des logements à Cours-Saint-Étienne, dans le Brabant wallon. Attention, il ne vous reste que quelques jours pour acquérir les post-it de Cap 48. À demain, et n'oubliez pas, nous avons besoin de vous !